Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un témoignage hors du commun. Tout à l'heure, je viens de tomber sur une information. Des gens, il y a eu un truc dans une église. Quelle chose, dis à ton ami à côté. Ou encore, quelle histoire. Mes frères et sœurs, voici l'histoire. On nous dit qu'en plein culte, au moment où le pasteur était en train de prêcher, c'était chaud. Un préservatif est tombé de sa Bible. Le regard des gens a commencé à se tourner vers le côté où se trouve ce préservatif-là. En même temps, on est dit du coup, les gens ont commencé à bavarder. Mais qu'est-ce que papa? En fait, il y avait un préservatif qui se trouvait dans une page de la Bible du pasteur. Il prêchait, c'était tellement chaud. Et apparemment, ce préservatif-là a commencé à sortir. Au fur et à mesure, il prêchait, ça sortait. Et finalement, qu'il a soulevé la Bible, on dit que c'est même tombé. Ah! Tous ceux qui l'écoutaient, là, ils se sont tous arrêtés. Ils ont commencé à se dire, mais... Ah, ça, c'est que pasteur, ça. Il se baladait là avec des préservatifs dans son sac. Non, dans sa Bible. Et tout de suite, ils se sont mis en colère. D'après l'information qu'on a reçue, ils se sont mis en colère. Et ils ont même frappé le pasteur. Ah! Un truc de ouf. Croyez-vous à cette histoire? Moi, je vais te voir cette histoire, je vous la raconte pour voir si peut-être vous êtes au courant. Vous allez bien nous expliquer. Mais ça, c'est quoi son corps? Mes frères et sœurs, nous sommes en 2020 et chez nous en 2020. C'est extraordinaire. Et les vrais choses vont sortir. Je vous ai dit ici, si vous faites des trucs de l'écrit, répondez-vous en même temps. Parce que nous sommes en 2020. Là, toutes les choses cachées vont sortir et elles seront exposées comme ça. Et nous tous allons voir ça. Ceux qui sont intelligents vont se repentir et vont abandonner leur mauvaise voie, c'est même mieux. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est grave. Mon Dieu. Ok, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un truc encore bizarre? Ce qu'elle est sûr. Une vidéo va apparaître ici, à la fin de cette vidéo. Là, vous allez voir de vos propres yeux ce que les pasteurs sont en train de faire aujourd'hui. Il y a même des pasteurs qui jouent au ballon pour chasser les démons. Il y a d'autres qui embrassent les filles dans l'église pour les délivrer. Il y a d'autres qui fouillent dans les caleçons pour voir si on peut chasser un démon là-bas. Ah! C'est quel démon on chasse dans les caleçons des gens? Que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre. Voici ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Au point où beaucoup de personnes commencent à ne plus avoir confiance au pasteur. N'ayez pas confiance au pasteur. Ayez confiance à Jésus-Christ. Lui seul n'est pas humain. Il ne faut pas me diriger. Avec quoi il va me diriger? C'est vrai, c'est. Avec quoi il va me diriger? Ah, il faut prier. Et que Dieu lui te guide. Aie toujours les yeux éveillés. Parce que souvent, on appelle ces gens-là les hommes de Dieu. Ils sont d'abord humains, avant de devenir hommes de Dieu. Ah, dans le cas où cette préservatif est tombée de sa Bible, de la Bible du pasteur, qu'est-ce qu'on va même dire? On va dire que si le pasteur il passait son temps à chez femme. Même chercher les filles qui viennent pour la délivrance dans son église. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Tu l'as montré comme ça. Tu fous tout le monde. Ou bien, c'est vrai ce qu'on va dire. Que Dieu nous pardonne. Mais nous-mêmes apprenons à changer. Bon, peut-être aussi que c'est... Peut-être il a utilisé cette préservative-là juste pour bloquer le passage de sa Bible. Peut-être aussi c'est ça. Ou bien... Bon, de toute façon, expliquez-moi dans la partie commentaire, qu'est-ce que ça fait là-bas? Et on nous a dit que les préservatifs aussi viennent des ennemis qui veulent vraiment récolter les semences des champs pour les amener dans le monde des ténèbres pour faire une armée du genre. Des démons viennent pour prendre la semence des humains pour aller fabriquer des enfants démons. Du genre, toi qui utilises beaucoup les préservatifs, tu as même des enfants dans le monde spirituel, mais tu n'es pas au courant. Un truc de ouf. Nous devons faire attention à tout ça et vraiment nous réveiller. Ne manquez pas de vous abonner, activer la cloche
Et regardez la vidéo qui va apparaître ici, vous allez même voir des choses, vos propres yeux, ce qui se passe. Vous serez même chaud. Il y a un témoin puissant qui arrive après cette vidéo. Ah, ça va être chaud! Restez connectés. C'est parti.